deuxième candidate, elle s'appelle Lilou. Il se cache. Viens. Ici, viens là. Applaudissez-le, c'est Antoine Camuset, mesdames et messieurs. Il est là. Ah, je suis content. Lilou, comment vas-tu? Je suis très heureuse d'être là ce soir, donc ça va très bien. Alors, c'est la première fois que tu viens ici au Grand Prix de la Chanson. Ça va être compliqué ce soir. Lilou, tu viens du Havre? C'est ça. Alors, tu vas expliquer aux gens ici, parce que tu vois, on a moitié de gens qui ont Internet en 4G, machin, des gens qui n'ont pas la fibre, parce qu'ici, on n'est pas encore, bientôt, l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est qu'une YouTubeuse, enfin, qui fait du YouTube? Alors, s'il y en a qui sont encore au Minitel, c'est vrai que c'est dommage pour vous. Donc, une YouTubeuse, c'est une petite nana qui fait des vidéos sur YouTube et qui, il y a quelques années, a lancé une chanson comme ça à la guitare, comme une bouteille à la mer, pour voir ce qu'on pensait. Puis ben voilà, ce soir sur scène à Julio Bonnat. Donc Lilou va vous interpréter un morceau de sa composition, on est bien d'accord? C'est ça, c'est une compo, ouais. Qui s'appelle Lettre à Dieu. Voilà, tout un programme. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des injustices parfois qu'on ne comprend pas, et j'avais envie de mettre ma haine et ma colère dans la chanson et de m'adresser carrément au plus haut de l'administration, carrément. Donc j'écris à Dieu, voilà, c'est original. Applaudissements pour Lilou, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Une vie qui n'en vaut pas la peine. Tu peux comprendre que j'ai autant de haine. Ce soir, j'ai besoin de te parler. Je ne sais même pas comment te nommer. S'il te plaît, tu veux bien m'écouter? Est-ce que tu es Jésus, Bouddha ou Mahomet? Pourquoi avoir emmené Lucas si tôt? Pourquoi l'avoir fait naître avec la muco? Tu vois, j'aimerais comprendre. Pourquoi donner la vie et si tôt la reprendre? Pour une vie qui n'en vaut pas la peine. Tu peux comprendre que j'ai autant de haine. Pour une vie qui n'en vaut pas la peine. Tu peux comprendre que j'ai autant de haine. Et pourquoi Antoine ne rentrera-t-il pas? Pourquoi Franck ne jouera-t-il plus son rôle de papa? Tu vois, j'aimerais que tu m'expliques. Est-ce que pour toi dans tout ça, il y a une logique? Et pourquoi prendre la jambe de Vincent? Pourquoi lui faire ça tout juste à 19 ans? Tu vois, j'ai beaucoup de questions. Vas-y, je t'écoute, donne-moi tes raisons. Pour une vie qui n'en vaut pas la peine. Tu peux comprendre que j'ai autant de haine. Pour une vie qui n'en vaut pas la peine. Tu peux comprendre que j'ai autant de haine. Autant de haine. Thank you.
Il paraît que c'est une histoire de chemin, que ça nous permet de voir la vie différemment demain matin. Parce que la vie, ça se gagne. Alors je vais garder le sourire pour Lucas, Franck et Antoine, pour une vie qui en vaut la peine. C'est ta réponse pour calmer ma haine. Parce que Vincent, ta vie, elle se gagne. Alors rien que pour toi, mon pote, je vais garder la banane. Parce que ta vie, elle en a valu la peine. Alors mettons de côté toute notre haine, toute notre peine. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Pour une qui en vaut la peine. Alors mettons de côté toute notre haine, toute notre peine. Applaudissements pour Lilou, s'il vous plaît, mesdames et messieurs.